Bonjour et bienvenue de nouveau sur Star Citizen avec moi-même Isha. On me pose beaucoup de questions sur le minage et je suis loin d'être un expert. C'est pourquoi, pour moi, pour vous, on va s'intéresser au minage sous toutes ses formes dans le Verse qui est actuellement l'alpha version 3.16.1 de Star Citizen. Pas dans ce que sera le minage, pas dans ce qu'était le minage ou ce que souhaiteraient les développeurs, mais bien ce qu'est le minage dans l'alpha Star Citizen 3.16.1. Et déjà, on peut dire qu'il y a de quoi faire. On va le décliner en plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos, oui, mais trois grands thèmes. En 1, on abordera le minage avec le multi-tools. On appelle ça aussi le minage à pied ou dans les grottes. En 2, ce sera le minage avec le rock. On appelle ça ainsi à tort, car en réalité, c'est le minage en gros de véhicule. Mais étant donné que nous avons que le rock et le rock DS, tout le monde appelle ça le minage avec le rock. Donc c'est ainsi qu'on l'appellera. Et en 3, le minage en vaisseau, qui est clairement le plus gros morceau. Là où on va passer plus de temps à détailler, là où on a pas mal d'éléments à détailler. Mais ça, on y reviendra plus tard. Attaquons de suite le minage en multi-tools. Et pour le cerner au mieux et pas se noyer, on va le scinder en plusieurs catégories. La première catégorie sera l'équipement et où on peut se le procurer. Commençons par l'armure et le sac à dos associé. Certainement le plus gros morceau et pas le plus palpitant du minage à pied. Vous avez le choix entre trois catégories d'armure, light, medium, heavy. Dans l'armure, la partie qui nous intéresse pour le minage est le torse. Vous avez le choix entre trois catégories, small, medium, height, dans le choix de votre sac à dos. La notion impliquée est bien sûr la taille de son contenant. La corrélation entre ces deux items, torse et sac à dos, est simple. Vous ne pouvez pas porter de sac à dos height sur une armure light. Mais bien que inutile en soi, pour le moment, mais du moins le fameux adage « qui peut le plus, peut le moins » est de rigueur, ce qui implique qu'une armure lourde peut porter un sac light. Les armures, en fonction de leur catégorie, ont une influence directe sur les assets. Une armure lourde apportera une meilleure protection contre les projectiles, pour le minage, complètement inutile. Mais aussi une meilleure protection contre les différences de température, augmentant ainsi votre durée de survie associée. Mais si une armure lourde vous apporte une plus grande espérance de vie, il faut savoir qu'elle réduit également votre agilité et augmente votre épuisement et soufflement sur les temps de sprint ou les sauts. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais moi de tout ça? Eh bien c'est simple, à vous de jauger votre intérêt. Pour ma part, je vous dirais que les grottes actuellement sont sans atmosphère, donc une armure, il en faut une. Mais qui dit sans atmosphère, dit sans influence atmosphérique. Donc, bail les températures maximales ou minimales élevées. De plus, à moins de rencontrer un petit malin qui a pour hobby le tir sur mineur avec sa P4, il est inutile également d'avoir une protection lourde. Vous me direz donc, très bien, ce sera une armure légère. Et là, je vous dirais que vous ne m'avez pas écouté, du moins pas assez, car une armure légère, c'est un sac à dos léger, donc résultant de faire des allers-retours réguliers jusqu'à votre vaisseau pour vous vider. En conclusion, à vous de jauger. Et votre choix influencera forcément votre gameplay et rentabilité. Une armure légère apporte une liberté de mouvement, mais avec une contenance limitée, alors qu'une armure lourde permet une plongée en profondeur dans la grotte, de manière plus longue, car le sac se remplit moins vite. On pourrait, dans ce choix d'armure, ajouter la Novikov ou encore la Penbrock. Il s'agit d'armures lourdes spécialisées dans les températures extrêmes, mais comme dit précédemment, seule l'entrée de la grotte est soumise à la même atmosphère que la Lune ou la planète, donc aujourd'hui inutile pour le minage en grotte. Notre choix d'armure. Et là, je parle de catégorie light, medium ou height, et non de la couleur ou marque. Là, j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais par pitié, ayez du goût. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc notre choix d'armure est dépendant du sac à dos et de leur contenance. Nous avons les sacs à dos légers, avec les Ardennes par exemple, avec leurs différentes déclinaisons, qui en réel n'est autre qu'une différence de couleur. On a également le CSP 68L. Ces deux sacs ont une contenance de 40 000 micro SCU. Et puis, nous avons des modèles avec plus de contenance, toujours dans la catégorie léger, qui obtient jusqu'à 50 000 micro SCU. On a le Katabay Backpack de MPV 1C édition, qui pour le coup n'est pas trouvable en jeu, donc on va l'oublier. Et on a tous les MacFlex Rucksack. Pareil, plein de variantes, le simple classique, le Canary Yellow, le Granite Red, le Grey, Orange White, vous l'aurez compris, on attaque encore là la couleur. Mais
ce MacFlex, si vous deviez prendre un sac à dos léger pour le minage, est pour moi le plus adapté. 1. Il a un style de mineur. Et 2. Une meilleure contenance. Oublions donc le Harden ainsi que le CSP68L. Dans la catégorie médium, on va avoir le CSP68M Backpack qui est achetable en jeu. Nous avons le Skin Hall Backpack, très joli ceci dit, qui est achetable également en jeu, mais qui ont une contenance de 70 000 micro SCU. Contrairement au Haryl, pareil, qui a de nombreuses déclinaisons, on a le Black Cherry, le Harvest, le Hazard, ou encore le Quicksilver. Certaines de ces déclinaisons ne sont pas achetables in-game, d'autres le sont. Je pense à l'Haryl classique ainsi que le Hazard, achetables in-game, et qui ont une contenance de 85 000 micro SCU. Donc là, déjà, on voit une différence. Sac léger, on opte pour le MacFlex. Sac médium, on opte pour le Haryl. On va passer maintenant sur la catégorie Heavy, la catégorie lourde. On va avoir le CSP68H Backpack. Nous avons également les Morozov, pareil avec différentes versions, l'Aftershock, le Terracotta, le Tulle. Les 4 versions sont à 100 000 micro SCU. Nous avons après les sacs à dos dédiés aux armures lourdes spécialisées dans les températures extrêmes, à savoir la Novikov et le Pembroke, qui peut atteindre jusqu'à 120 000 micro SCU. Suite à cette démonstration, on peut donc en conclure que le CSP68H ainsi que les Morozov, nous pouvons les oublier. Et nous conserverons donc les sacs à dos Pembroke et Novikov. Si on peut apporter une conclusion à ce choix d'armure, par là même apporter un conseil, mon conseil, dans le cadre du minage, on ne commence pas par choisir une armure, on commence par choisir un sac à dos. Et en fonction du sac à dos, découlera l'armure. Si je peux donner conseil, toujours, on va oublier les sacs à dos légers. 50 000 micro SCU, c'est trop peu pour du minage. On va donc se concentrer sur le médium et sur le heavy. Sur le médium, nous avons donc le Haryl, avec une armure dédiée pour la partie heavy, pour ceux qui souhaiteraient une contenance plus élevée. Nous avons donc le Pembroke, la Novikov, avec une armure associée, tout ça pour garder une cohérence esthétique globale. Le Haryl est pour moi le meilleur choix. Mais je me devais de vous expliquer toute la corrélation des sacs ainsi que des armures afin que vous puissiez vous-même faire votre propre choix. Et pourquoi moi j'ai opté pour ça. Maintenant qu'on a opté donc pour un sac médium de chez Grey Cat Industries ainsi que de son armure, on va se concentrer maintenant sur un autre équipement qui est primordial, qui est le Multitools et ses attachments. Donc on a besoin d'un Multitools de la manufacture Grey Cat. Nous avons le Black Cherry, le Bloodline, le Ghost, le Harvester, le Mirage, le Quicksilver et enfin le classique, le Pyro RYT Multitools. Toutes les précédentes versions n'ont que pour différence la couleur et ne sont pas achetables in-game. On les oublie et on opte pour le classique qui est également de toute beauté. Maintenant que vous avez votre multitool, c'est bien. Mais comme son nom l'indique, il fait office de couteau suisse. Et là, vous avez que le manche de votre couteau. Et donc, il faut lui ajouter des attachments, des modules. Et en l'occurrence, ils peuvent être optionnels ou indispensables pour notre session de minage. Évidemment, il vous faut l'Orbit Mining Attachment, qui est ni plus ni moins la tête de minage de votre multitools. À moins que vous savez casser du caillou avec vos doigts, il est indispensable. En optionnel, je vous conseille le Tractor Beam. C'est un rayon tracteur. Il peut être bien utile quand le précieux minerai s'est faufilé dans un recoin. On a également le module médical, qui lui est presque, je dis bien presque, indispensable à toute sortie. C'est toujours pratique d'avoir une trousse médicale sur soi quand on voyage au travers le Verse. Mais pour le coup, je passe, car on optera pour une trousse médicale plus pratique et moins encombrante. En résumé, nous avons notre multitools et les deux attachments associés, l'Orbit Mining et le Tractor Beam. Nous allons donc aborder le troisième équipement, à savoir la trousse de secours. Les soins. On a vu dans la partie dédiée au multitool qu'on pouvait prendre un module dédié aux soins. Mais on l'a écarté, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Et surtout quoi prendre? On a le paramètre médical device avec sa recharge, mais même si bien pratique, je pense qu'on peut optimiser pour ce qui est du minage bien sûr. Dans le cas du multitool avec module médical, dans son utilisation, nous devons changer le module, sortir le multitool, seul l'appliquer sur soi et se soigner. Il y a possibilité d'avoir un deuxième multitool, déjà équipé avec le module et accroché à sa cuisse, comme on pourrait avoir le paramètre. Mais dans ces deux cas, on devra armer le pistolet, seul l'appliquer sur soi
et se soigner. Pour le minage, si dégâts physiques il y a, on n'a pas besoin de produits sophistiqués pour se soigner. Nous serons peut-être amenés à soigner sa barre de vie, stabiliser son état, voire couper un saignement. Mais il y a peu de chances qu'on se prenne une balle, donc un simple medpen suffira. Un emplacement lui est dédié pour un nombre de 4 sur la cuisse gauche de notre armure. Optons donc pour 4 medpen pour notre trousse de soins. Maintenant que la question du soin est résolue, on va pouvoir aborder l'équipement que j'appellerai les consommables optionnels. Je commencerai par des flares. Il en existe de toutes les couleurs, mais encore là, non disponible in-game. Mais nous avons le rose, la fameuse pink flare. Les grottes sont sombres, très sombres. Alors oui, on est équipé d'une torche sur notre armure, mais la possibilité d'utiliser un flare est un sérieux plus. Je vous conseille grandement un petit stock de 10 sur vous. Si vous envisagez des sessions longues de minage, ce que je vous conseille, il faut savoir qu'au bout de 4 heures, vous allez commencer à avoir les symptômes de la faim et de la soif. Il vous faudra de l'eau, voire de la nourriture en stock. Pas dans l'excès, mais une petite bouteille d'eau et un tacos pour le goûter seront les bienvenus. En conclusion, l'équipement nécessaire, conseillé et leur localité de vente. Alors, non, je ne vais pas vous en faire une liste des points de vente exhaustive, mais je vais me limiter au plus pratique tout en regroupant. On a le sac et son armure Aryl Hazard, le casque à 2280 alpha UEC, les bras à 720 alpha UEC, les jambes à 1340 alpha UEC, le corps à 2820 et enfin le sac à 1900 alpha UEC, ce qui nous fait un total donc de 7060 alpha UEC. On trouvera cet équipement dans tous les cargo centers situés sur les stations en orbite géostationnaire des différentes planètes, excepté Crusader avec Port Lycéen. Le Multitools et ses attachments. On le trouvera à 485 alpha UEC avec ses attachments, l'Orbit Mining à 365 alpha UEC et le Tractor Beam à 320 alpha UEC. Ce qui fait un total de 1170, que l'on pourra se procurer également sur les stations en orbite géostationnaire des planètes, toujours excepté Port Lissar autour de Crusader, ainsi que sur les stations ayant une raffinerie située sur les points de Lagrange. Le MedPen, à 100 alpha UEC x 4, donc 400 alpha UEC. On peut les obtenir dans toutes les pharmacies des cliniques médicales. Et, par chance, il y en a sur les stations en orbite géostationnaire au-dessus des planètes ou sur les points de Lagrange possédant une raffinerie. Les flares, au prix de 25 alpha UEC, soit au compte de 10, 250 alpha UEC, on les trouvera aisément sur les stations de raffinerie. L'eau et la nourriture peuvent s'obtenir partout. Une dizaine d'alpha UEC chacun, soit un total de 20 alpha UEC. Le montant dépensé pour cet équipement est de 8700 alpha UEC au total. Pour le moment, ce chiffre semble anodin, mais gardez-le en tête. Vous l'aurez compris, tout cet équipement est disséminé un peu partout autour de Stanton. Pour faciliter et optimiser la recherche et les déplacements, au lieu de lister l'ensemble, j'ai cherché à trouver des points de concordance entre eux. Et ce qui remonte, c'est les stations situées sur les points de Lagrange URL 1, URL 2. Cru L1, MIC L1, Arc L1, dû au fait qu'elles sont les seules à posséder une raffinerie. On a également les stations en orbite basse des planètes, car elles possèdent un cargo center, excepté Port Lissar. Et voilà, nous pouvons affirmer que nous avons fini avec la partie équipement. Je vous l'accorde, c'est loin d'être la plus intéressante, mais elle est nécessaire. Nous allons pouvoir aborder la seconde partie, qui n'est autre que les minerais. Mais au vu de la longueur de cette première vidéo, nous nous réserverons donc pour une prochaine vidéo. Je pense même sans trop m'avancer que la prochaine clôturera ce tutoriel sur le minage avec le Multitools. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans les mines, bye et bonne nuit.